Louis Gordon de Zapport Games de ZaTV. Alors, petite vidéo très rapide pour un petit colis d'un jeu que j'avais commandé et reçu aujourd'hui. Mais un colis qui a été ouvert par la douane et on va voir ensemble le massacre qu'ils ont fait. Bon, je l'ai déjà ouvert, mais je vous montre un petit peu comment ça s'est passé de suite après le générique. Donc, voyons tout de suite alors comment ça s'est passé. Voilà, je reçois ce colis avec... Alors, c'est un colis qui arrive de France, bizarrement. Ça nous vient, bon, je cache un petit peu le nom, de Villeneuve sur Yonne. C'est quand même curieux que la douane s'attaque quand même à un colis en interne, on va dire. Ouais, j'ai vraiment pas de bol. Voilà, donc je me retrouve avec ce colis avec avec un scotch marqué ouvert par la douane. Donc voilà, à mon tour je l'ouvre, on voit qu'il a été donné ici un bon coup de cutter. Et dedans donc se trouve ma commande. Il s'agissait d'un jeu. Un jeu Super NES que vous allez voir. Alors il était emballé de noir à l'origine. Voilà, avec un autre petit scotch, comme vous voyez, ouvert par la douane, évidemment. Hop, on enlève le petit scotch, et qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça a été ouvert. Alors, c'est vrai que, bon, le paquet noir, ça fait de suite penser à quelque chose qu'on cherche à cacher, de la drogue, ou quoi que ce soit. Alors que non, pas du tout, il s'agit de Super Alès. Donc, on voit que le papier bulle est ouvert. Donc, jusqu'à ce stade-là, ils se sont pas dit, c'est un jeu. Ils étaient persuadés qu'il y avait de la drogue encore dedans. Alors bon, ils ouvrent, ok, super, on enlève le bulle. Et plutôt que de le faire renifler aux chiens, parce que vous avez des chiens quand même à la douane pour trouver la drogue. Qu'est-ce que vous vouliez que je cache là-dedans? Qu'est-ce que vous vouliez qu'on cache là-dedans? Alors là, vous voyez le jeu, voilà, donc Super Alès. Super Alès, voilà, en FAH, que j'ai eu pour pas cher, mais ça, le prix, on n'en parle même pas du prix. Sauf que ces salopards, ils ont pété le pas de vis. Ils ont pété le pas de vis, pour ça, je voyais que la vis était dans le vide, quoi. En fait, ça a été ouvert, la PCB, voilà, comme ça. La PCB, elle était dedans, complètement dedans. Elle était rentrée au début, j'ai cru qu'il n'y avait pas de PCB, alors je me suis fait avoir par le vendeur. Mais en fait, non, la PCB était dedans. En fait, en l'ayant écarté et en cherchant la drogue, mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais pourquoi vous êtes allé chercher jusque dans le jeu? Vous aviez pas un chien? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Cruchot, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as ouvert le truc? Pourquoi tu m'as ouvert le jeu? Pourquoi tu m'as défoncé le jeu, putain de toi? Mais enfin, Cruchot, qu'est-ce qui vous a pris? Vous voyez pas que c'est un jeu Super Nintendo? Qu'est-ce que tu t'attendais? Est-ce qu'il y a des barrettes de shit dedans? Mais purée. Alors voilà, bon, alors, il paraît que les douaniers, c'est des gens formés, mais ils le sont pas tous, voilà, alors, normalement, ils sont censés savoir, voilà, détecter ce qui est contrefaçon, tout ça, mais là, non, on sait pas ce qu'ils cherchaient, voilà, on sait pas. Mais si vous voulez pas vous payer des formations, mais prenez-vous un chien, achetez-vous un chien, bande de bâtards, vous êtes plus bâtards que les chiens de douaniers, là. Pourquoi mon jeu à moi, en interne en plus, qui vient de France, à la rigueur, ça vient du je sais pas quel pays de drogués, là. Tu veux la drogue, hein? Mais ils m'ont défoncé le jeu, alors Super Alès, pour les spécialistes, vous savez que c'est un jeu quand même assez recherché sur Super Nintendo, c'est un des premiers shoot'em up, et même un des meilleurs shoot'em up de la console, et ben ils me l'ont défoncé, alors que j'avais la boîte, et je comptais justement le compléter avec ce jeu-là. Alors soit, bon, j'ai deux solutions, soit je change l'arrière avec le pas de vis en fait en plastique en bon état. Bon, faut que je trouve un arrière avec écrit en français quand même, pour qu'on reste dans le style FAH. Soit je recolle avec de la glu, je sais pas trop encore. Mais en tout cas, il va falloir que je démonte, que je remette la PCB. Alors j'ai vérifié la PCB, c'est bien une Nintendo, c'est bien la PCB d'origine. Mais merci les doyens de m'avoir défoncé le jeu, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Pour aujourd'hui,
Hein, et pour vous annoncer également qu'il y aura d'autres vidéos parce que j'ai reçu d'autres colis. Malheureusement, heureusement, c'est le seul colis qui a été ouvert par la douane. Mais voilà, malheureusement, il ne fait pas partie comme les autres des colis que je vous montrerai avec un peu plus de bonne humeur. Hein, Cruchot ? Cruchot ! Pourquoi tu m'as ouvert ça ? Putain, Cruchot ! Putain, allez. Allez, au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.